Bonsoir à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de Silent Jill. Ce soir, on est au château de Sombreffe, ici en Belgique. La propriétaire nous a contactés parce qu'apparemment, il y aurait des phénomènes paranormaux qui se passent ici dans ce château, plus précisément dans une tour. Ce soir, à mes côtés, pour m'épauler dans cette enquête, le seul, l'unique, David Rodriguez, TikToker qui défonce tous les réseaux sociaux, 2 millions d'abonnés. Vous pouvez le retrouver, je vous mets son petit compte juste ici. Est-ce que t'es prêt ? Non, non, je suis pas prêt. J'ai peur, Gilles. Est-ce que t'as déjà vécu, toi, des phénomènes paranormaux ? J'ai déjà vécu quelques petits trucs, oui. Vas-y, j'ai déjà vécu. Raconte-nous le pire truc que t'as déjà eu. J'ai déjà vu quelqu'un passer quand j'étais seule à la maison. Ça, c'est... Ah oui, surtout une ombre noire, donc oh, c'est pas très bon, je pense. En tout cas, quand je vois tes vidéos, c'est pas bon du tout. Non, c'est vrai que c'est pas bon signe. Bon, je vous propose qu'on aille rencontrer la propriétaire des lieux. Elle va nous raconter l'histoire du château. C'est parti. Alors, je suis avec la maîtresse des lieux, Madame Geertz. Bonsoir. Bonsoir. Vous vivez ici, dans ce sublime château. Est-ce que c'est un château qui a appartenu à votre famille ou que vous avez repris par la suite ? Non, pas vraiment. Enfin, on l'a repris de mes beaux-parents, mais uniquement de mes beaux-parents. Et c'est eux qui l'ont acheté tout à fait en ruine, il y a à peu près 40 ans. Vos trois filles, je ne connais pas vos prénoms, mais... Alice. Mathilde. Alors, vous vivez ici au sein du château aussi et vous avez déjà vécu des phénomènes paranormaux. Alors, plus précisément, vous m'avez dit en relation avec tout ce qui est écriture et bouquins, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Mais une fois, maman jouait avec un bic, elle l'a décomposé, genre elle a perdu un morceau par terre, et puis on a tous quitté la pièce, et le chat est resté dans la cuisine, et elle miaule que quand il y a quelqu'un, et là elle a miaulé, et du coup, ben, maman est revenue voir, et le bic était reconstruit sur la table, alors qu'il y avait personne, on sait pas ce qui s'est passé. Et le bic était cassé. Je l'avais enlevé. C'est moi, l'avais démonté, j'avais laissé tomber un truc par terre. J'avais perdu partout. Un morceau. Il n'était pas trouvé. Cassé, mais il était démonté, quoi. Oui, il était juste démonté. J'avais juste dévissé le truc. Il manquait le ressort, quand même. Ouais, on avait perdu le morceau du. Oui, je vois très bien. Mais c'est hallucinant. Et c'est un bic, un vieux bic, un bic auquel vous teniez ou un bad bic, un simple bic. Oui. Mais ça, c'est une histoire parmi d'autres qu'on a plein de fois perdu des bics. Moi, j'ai perdu mon cours de latin. Genre vraiment, ça, j'avais mon cours, je le dépose, je me retourne, je me remets, il était plus là. Mais non. Ça, je ne m'en remettrai jamais, je pense. Ça, je ne sais pas d'où ça m'est sorti. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de l'endroit qui a habité ici, qui est peut-être décédé ici Mais on a retrouvé des écrits, enfin, notamment des articles de journaux qui précisent que le comte de Lannoy a perdu une son de ses... Non. Une de ses maîtresses, c'est un petit peu moins fun, en morceaux. Non, une de ses maîtresses, et que c'est lui... Quoi Non, pas en morceaux, c'était lui, là. C'est lui qui entrait les lieux, et notamment il y a pas mal d'amis à mon mari, avant que je ne le connaisse, qui disent avoir été frappés sur les fesses par quelque chose. Mais moi, il ne doit pas m'aimer beaucoup parce qu'il ne me l'a jamais fait. D'accord. Quel est ce lien qu'on peut, par rapport au latin, par rapport au bic, à l'écriture? On ne sait pas. Et est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'écriture et les livres ou... Les GSM, quoi. Oui, dans les tours. Les batteries. Tout ce qui est batterie. Okay. Se décharge. Okay. Elle ne sait même pas se décharger, elle s'éteint juste, et puis quand on ressort, elle refonctionne. D'accord. Donc c'est que l'énergie doit être bien puissante. J'ai hâte, en tout cas, de rentrer dans cette tour pour aller voir ce qui s'y passe. En tout cas, merci pour toutes vos petites explications. On va attendre qu'il fasse bien noir pour se mettre dans l'ambiance. Et on se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer par
la première tour où il y a moins de pièces. Madame la Châtelaine va nous ouvrir. Et on ne peut pas aller tout en haut par contre parce qu'il y a un nid de rapaces et qu'on pourrait se faire violemment attaquer et perdre un œil. Surtout un œil. Surtout un œil. Oh, c'est... Ah oui, c'est toi qui... Ah oui, d'accord. Waouh, c'est hyper impressionnant. Tiens, tu peux me le donner si tu veux, je vais filmer quand je monte. Ouais. Donc ce soir, nous sommes avec Kelly, David et avec Michael. Michael qui fait du repérage pour nous et qui nous trouve les lieux et qui sécurise aussi l'endroit. Donc nous sommes à 4. Voilà. Il fait chaud. Hein. Oh. C'est dingue. C'est pas rassurant. Oh, 1987. C'est l'année de ma naissance. Hein? Oh. Oui. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Ça veut dire que c'est vieux. Oui. Comment ça, oui? Non. Michael, les rapaces crient. Les rapaces n'aiment pas. Tu sais pas quoi ça. Tu es comme un petit mulot. Tu vas finir dans le lit. Waouh. Ouais, c'est petit, hein. Avec les trucs, c'est chaud, chaud, chaud. Bon, pas de crème, mais... C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, ça, je vois que c'est les rapaces qui sont pas contents. D'emblée, comme ça, d'entrée de jeu. Ouais. Oh, si. Regarde. Ouais, donne-le ça. Là, c'est des rouges. Oh, oh. Ils sont pas contents là en haut. Hein. T'entends comme ils soufflent. T'imagines, ils arrivent. C'est juste des cartons. Mais ça, ça fait. C'est dangereux. T'as vu les couverts et tout. C'est dingue. Si je le touche, ça va, je vais être possédé. C'est possible. D'accord, je le touche. Est-ce que les K2 réagissent encore? Non, dans les escaliers, ok. Donc on vous rappelle qu'il n'y a pas d'électricité ici sur les lieux, dans aucune des deux tours. Tous nos smartphones ont bien évidemment été mis en mode avion. Ça réagit plus? Et donc ça nous a genre suivi dans les escaliers, quoi. Il est pas dans la pièce? Oh, ceci c'est attendre ma poche. Oh. Oh.
Et c'est pas la statue. Il est plus là. Il était dans le coin ici, à mon avis. Il était sûrement en train d'observer. Oh, ici, si, regarde, regarde. Regarde, j'en parle. Ok, il est là. Il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Oh, il est là? Où ça? Il est là? Ah, ok, il est là. Ok, il est planqué là. Est-ce que vous êtes ici? Elle a bougé. Ok, et ça, c'est soi-disant le bâtiment où il y a le moins de trucs. Hein. Le moins de trucs? Ouais. Le moins de trucs, d'accord. T'as les baguettes? Tu sais me les donner, s'il te plaît? C'est juste par contre prendre ma pierre sur moi. Du coup, si je rentre en communication avec eux. Donc en fait, tu vois cet outil-là, je l'allume. Ça s'enclenche. Je le mets où? Je le mets devant la porte. Non, mais ça, c'est pas terminé. Ah, non, c'est bon. C'est bon. Chez toi? Non. Chez toi? Non, 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 on fait des cours dans la pièce, là, c'est quoi le truc? Oh, mais, oh là là là, regarde, regarde, regarde. Kelly, regarde. J'ai les frissons. Hein. Tu les vois? Non. Ouais. Tu les vois? Ouais. Oh, il est juste là. Bon, allez, ok. Let's go. Ok, il est juste ici, il est juste là. Il faut que quelqu'un filme vers chez moi, il est là. Et filmer les baguettes. Ok. On va se concentrer. Il est juste là. Je vais me mettre juste au-dessus, il est là, il est là, il est là. Bonsoir. Si vous êtes là, faites bouger la baguette de droite vers la droite. Nous sommes bienveillants. Il est dans les baguettes, hein, là. Je sens, il est, regarde. Oui, je sais que vous essayez de faire bouger la baguette. Je le sens, je les sens dans mes mains en train de bouger, oui. Et ça bouge de ouf, mon gars, en dessous. Tu vois, je sens les petites roulettes, là, qui sont dans les baguettes. Parce que je les... Oh, ok. Est-ce que vous pouvez vous remettre, s'il... Ah, en fait, je bloquais, je crois. Je crois que je bloquais avec mes trucs. Est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît, les baguettes comme elles étaient? Est-ce que c'est possible pour vous de les remettre droites pour qu'on puisse continuer à communiquer? Putain, cheveux qui m'ennuient. Non, ne croisez pas les baguettes, s'il vous plaît. Remettez les droites comme elles étaient. Remettez les droites, s'il vous plaît. Complètement droites. Toutes les deux. Là, elles sont encore un peu trop croisées. Il faut vraiment qu'elles soient droites. Je sais que ça vous demande énormément d'énergie. Vous pouvez prendre de l'énergie chez moi, il n'y a pas de souci. Alors, merci pour la baguette de gauche. Par contre, je vais vous demander de remettre maintenant la baguette de droite, s'il vous plaît, vers la personne qui est devant moi. Voilà, comme ça. Exactement. Voilà, vous la dirigez vers Michael. Pas vers la porte, vers Michael. Michael qui est juste devant moi. Voilà. Prenez votre temps. Est-ce que vous avez besoin de temps pour prendre de l'énergie? Vous pouvez prendre de l'énergie chez nous, il n'y a pas de souci. Hein. Allez-y. Alors là, c'est moi qui vais bouger, je vais juste me replacer convenablement. Tu veux que je replace ta mèche? Je vais là, ouais, je vais la mettre parce qu'elle me grattait de ouf. Ok. Voilà. Alors. Voilà. Elles sont droites. Est-ce que vous êtes avec nous dans la pièce? Panique pas.
Allez, ne me faites pas rire, s'il vous plaît. Pardon, je suis désolée de rigoler, monsieur ou madame. Est-ce que vous pouvez faire... Ok. Je fais rien. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes, s'il vous plaît? Remettez la baguette comme elle était. Merci, merci. Waouh, les frissons de ouf. Allez-y, remettez les baguettes comme elles étaient, s'il vous plaît. Merci, c'est trop bien. Vous le faites super bien, génial. Trop bien. Trop, trop bien. Les deux, c'est possible. Le remettre vraiment bien, les deux. Je sais que ça demande énormément d'énergie. Je suis désolée pour ça. Merci, en tout cas, de nous montrer que vous êtes là avec nous. N'hésitez pas à prendre de l'énergie chez moi. Vous pouvez le faire. Je vous autorise à prendre de l'énergie. Nous ne sommes absolument pas là pour vous déranger. Nous souhaitons simplement avoir quelques réponses concernant votre présence ici dans les lieux. Voilà. Est-ce que vous êtes décédé ici dans les lieux? Si vous êtes décédé ici dans les lieux, sur ce terrain, dans ce bâtiment, dans ce château, bougez la baguette de votre choix. Celle qui vous semble le plus facile. Parfois, ils ne savent pas trop s'ils sont décédés ou pas, tu vois. Est-ce que vous savez si vous êtes décédé ici? Il y a un K2 qui réagit quelque part? Non. Hein, vous êtes parti? Peut-être qu'il manque d'énergie, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Manque d'énergie? Oh, oh, oh. Ah, j'ai eu un genre un, comme un petit truc de... Regarde la baguette, regarde la baguette. Ok, non. Oh, frisson de fou. Ok, merci. Donc, vous êtes encore là. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous laisse vraiment le temps à votre aise de vous recharger, de recharger vos batteries internes. Pardon. Oh, je le sens hyper fort. Wow. Ah, c'était ouf. Je sais pas si tu sais voir les, mes poils sur le visage. Je sais. Si tu sais filmer. Vite, parce que ça se calme. Mais c'est vraiment trop, regarde. Ça s'est calmé. Si ça recommence, si j'ai des frissons nouveaux dans tout le corps, je te le dirai. Mais je sens les baguettes bouger dans mes mains, c'est un truc de fou. Ok. Pour l'instant, j'ai plus, je sens plus rien là. Une pause. Ouais, je sens plus rien. J'ai eu un truc. Non, là, c'était pas bien. Non, c'était pas bien. Non, c'était... J'ai eu un truc, mais hallucinant. Hein. J'étais ailleurs, quoi. En une fois, j'ai eu une vague. Tu l'as vu? C'était vraiment fou. Parce que moi, je te connais. J'ai eu un truc... regarde, j'en ai des frissons. Attends, la lumière. Regarde mes poils. J'en ai eu des frissons de fou. Regarde comme j'ai la chair de poule. Et il fait super chaud aussi dans la pièce, faut le dire. Oui, hein. Il fait pas du tout froid. 22,8. Ouais. Donc, pas aucune raison d'avoir froid. Mais j'ai eu... C'est passé dans mon corps, quoi. Mm-hmm. J'ai vu. T'as vu comment le K2 s'est emballé et comment les... J'avais les yeux fermés et j'ai senti dans ma main les baguettes s'ouvrir comme ça. C'était hyper impressionnant. Par contre, c'est pas du tout mauvais. C'est pas mauvais. Non, c'est pas du tout mauvais. Pas du tout. J'ai aucune énergie ici qui est mauvaise. C'est pas du tout un truc où je me sens pas à mon aise. Je me sentais juste genre envahie. On est un petit peu un truc, mais il nous laisse entrer. Ouais, ouais, mais pas mauvais, quoi. Oh, regarde. Vous êtes quelqu'un de positif. On est d'accord que c'est une énergie bienveillante et positive qui est dans le respect. Et puis ça vient de se réenclencher. Ouais. Quand tu parles d'eux, généralement, ou quand tu évoques... Voilà. Voilà. Voilà, quand tu parles d'eux. Oui. Je sais que vous êtes là. Merci de nous montrer que vous êtes là avec nous. Merci de nous montrer que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on essaie encore de communiquer avec vous? Si vous êtes fatigué, c'est tout à fait compréhensible et on peut aller voir l'autre tour. Non? Ok. Vous préférez qu'on reste? Vous préférez qu'on reste ici avec vous? Alors,
On va essayer de reprendre de nouveau une communication. Est-ce que tu as envie de tester? J'ai peur de tester. Mais tu, si tu veux, tu peux. Hein. Moi, je ne le sens c'est, pas c'est, mauvais. C'est pas, c'est pas négatif. C'est pas négatif du tout. Donc, si tu veux l'essayer, moi, je te tiens ta truc, ta lampe. Je vais t'expliquer comment tu le fais. Donc, tu vas mettre les coudes le long contre ton corps. Ça, c'est pour avoir la stabilité. Okay. Pas que tes bras fassent comme ça. Parce que si tes bras font comme ça, tes baguettes, elles vont bouger. Donc, tu dois vraiment être méga stable, quoi. Ok, je ne bougerai pas. Tu serres le noir. Rien d'autre. Mais rien d'autre, tu vois. D'accord. Et tu dois les laisser, tu les stabilises avec ton pouce, et puis tu lâches, et tu vois, regarde, si là je suis dans le contrôle, si tu contrôles, ça bouge pas. Quand ça va bouger, tu vas sentir que c'est pas toi qui les fait bouger. Tu vas sentir que c'est... Ne pas, non, par contre, tu paniques pas quand ça bouge, quoi, d'accord? Ok, j'essaye. Donc, essaye de pas trop te mettre près de ça pour pas que ça bouge. Ah, il est là. On va... Oh, il bouge tous, ok. On va laisser David... Attends, parce que là, je me permets de le remettre en place. Vous allez pouvoir communiquer avec David. Bonjour. Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Si oui, vous pouvez juste bouger la baguette droite vers ma gauche, s'il vous plaît. Vous pouvez tourner la baguette droite vers la gauche, s'il vous plaît. Ok, merci. Vous pouvez la remettre à sa place, si ça ne vous dérange pas. Vous pouvez remettre la baguette droite à sa place, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Ok. Mettez-la. On a perdu 2 degrés en une fois, ok. Ouais, je le sens, il est là. Il est là de ouf, je le sens. Prenez la baguette et remettez-la droite, s'il vous plaît. C'est déjà un peu réavancé, sa baguette ou pas? Tout à fait. Oui, ok. Ok. Est-ce que... Je sais pas. Je suis perturbée. Est-ce qu'on est la bienvenue? Si oui, tournez la baguette gauche vers la droite. Prenez votre temps. Si on est la bienvenue, prenez la baguette gauche et tournez-la vers ma droite, s'il vous plaît. Bouge très lentement, mais je tremble. Tu le sens? Est-ce que tu sens que ça bouge? Je sens que la droite est retenue. On retient la droite. Quelqu'un tient à la droite? La droite est retenue. Ok. Et je ne sais pas pourquoi. Mais celle-ci, je sens qu'au bout, on la retient. Ah ouais? Je rigole pas. Est-ce que vous... Si vous tenez la baguette droite, tournez-la complètement vers ma gauche. Mais on voit qu'elle... Enfin, tu vois, on voit comme si quelqu'un la tenait du bout des doigts, comme ça. Si vous tenez la baguette droite, tournez-la vers ma gauche. Les cadeaux, les cadeaux qui se reprennent. Vous pouvez remettre la baguette droite, s'il vous plaît, que je puisse vous poser une autre question. Vous préférez que j'arrête ici? Tournez la baguette gauche vers la droite. Alors, je vais juste me permettre de les mettre droite moi-même. On a récupéré les degrés? Ok. Donc on avait perdu 2 degrés qu'on vient de récupérer. Donc au moment où David s'est mis à parler avec l'entité, on a perdu 2 degrés, là on les a récupérés. Peut-être 1 à 8 sur les 2, ok. Ah, ok, il est là. Ok. Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, prenez la baguette droite et tournez-la vers ma gauche. Si on vous dérange pas et qu'on est la bienvenue, prenez la baguette gauche et tournez-la vers ma droite. S'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on reste avec vous? T'as entendu? Ok. Ouais. Il a fait quoi? Il dit oui, il veut qu'on reste. Il veut qu'on reste, ok. Vous pouvez remettre la baguette à sa place? Oh my god, mes frissons. Prenez la baguette gauche et mettez-la à sa place, s'il vous plaît. Je sais que ça a l'air difficile, mais allez-y.
Prenez la baguette gauche et mettez-la à sa place. Non, panique pas, Non, panique pas. Pardon, je suis désolée. Pardon, je suis désolée, mais ça. Pardon. Ça redescend de nouveau. Ça redescend, ok, il est là. La température redescend. Pardon. C'est elle. C'est toi. On sait toujours pas si c'est une femme ou un homme, hein. Alors, est-ce que... Ouais, moi j'en sais comme ça. Ouais. J'en ai dit plusieurs fois. Les baguettes agiles. Tu vas me les redonner à moi? Je vais remettre les baguettes agiles. Si ça vous dérange pas, on va arrêter maintenant. Si ça vous dérange, prenez la baguette gauche et tournez-la vers moi. La baguette droite est retenue. Ah ouais? Elle est retenue, la tienne. Qu'est-ce que ça dit au niveau des degrés? Toujours en bas? On est à 23, on est à 21,2. 21. Oh, c'est toi qui... J'ai pas vu quand ça a bougé. Ça a bougé quand? Non. Ah! Vous voulez bien remettre la baguette à sa place, s'il vous plaît? Non, c'est qu'on est en dessous de 21. On est en dessous de 21 degrés? On est à 23, hein. Mmh. Vous êtes une femme? Ok. Regarde. Oups là. C'est une femme, alors, ou quoi? Le problème, c'est qu'on a... Si vous êtes une femme, remettez la baguette à sa place. Ouf, donc ça chute. Ouh, panique pas. Vous voulez bien remettre les baguettes vers vous, s'il vous plaît? panique pas, ça va rien faire, t'inquiète. Mais quand je dis vers vous et ça pointe vers moi, c'est pas normal. C'est parce que peut-être qu'il joue avec toi, il voit que t'as peur. Remettez les baguettes droites, s'il vous plaît. Remettez les baguettes droites, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la température? 0,8. Ok, remettez les baguettes droites, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez remettre les deux baguettes, s'il vous plaît. Vous pouvez remettre la baguette gauche. David a peur, donc s'il vous plaît, remettez-les bien. S'il vous plaît, bougez la baguette gauche, mettez-la vers la table. Voilà. Allez-y, continuez. Mettez la baguette gauche vers la table, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez la baguette. Si ça te fait trop peur et tu veux que je reprenne la main, tu veux que je reprenne la main? J'aimerais bien. Ok, tiens, reprends le... Je te donne ça alors, Kelly. Alors, je vais me permettre, je vais prendre les baguettes en main. Voilà, désolée si vous les tenez, mais voilà. Là, on va s'arrêter ici parce que David a un peu peur, donc c'est pas grave. C'est juste moi qui vais reprendre le truc. On va faire une toute petite pause et on va aller dans la seconde tour. Ok. Bon, on peut allumer les K2. On peut les allumer. J'aime pas. Quoi? J'ai eu super peur. Gilles, j'ai eu super. Merde, j'ai perdu ma lampe. J'ai perdu ma lampe dans l'herbe. Pourquoi là? Bah, il y avait quelqu'un dans l'herbe. Quelqu'un dans l'herbe? Ouais. Quoi? Bah, il y avait un truc qui marchait à côté de moi dans l'herbe. Non, moi je rentre pas, Non, c'était pas David, c'était bien plus proche de l'entrée. Dans l'herbe, mais non. Animal, quoi. Non, dans l'herbe, genre quelqu'un qui devançait, quoi. Non. Voilà. Je le jure sur la vie de mes trois enfants qu'il y avait quelqu'un qui me devançait dans l'herbe. Je l'ai entendu droit devant moi au moment où j'ai voulu rentrer dans le truc. Non, moi je suis pas... J'ai voulu allumer ça. Elle m'a rien allumé. Plus de degrés qu'en haut. Ah ouais? Ouais. On a 21,5. Oh putain. J'ai voulu... Mais tu as entendu l'herbe écrasée, c'est ça? Oui. Peut-être un animal qui s'est enfui. Bon. Ok, allez. Prends notre courage à deux mains. Ok. Faut que quelqu'un me donne une lampe ou... Tu veux ma lampe? Je te la donne si tu veux. Thanks. Bon, tu fais 21,2. Bon, moi, j'ai perdu. Oh, j'entends déjà. Ouais. Le tien aussi, David? Ouais. Ok. Quoi, Casey, faites attention au câble là. Attention, il passe.
ici. J'ai pas l'impression de sentir grand chose. Allez, venez revoir en haut. Il y a des K2 qui s'emballent là, j'entends des K2. Ok. Toi pas? Et une porte. Ah! C'est pas trop chaud quand même. Voilà! Ah ouais! Ah non! Ah c'est fouf! Oh! Un ancien, regarde un ancien fuseau! Et tu te piqueras le doigt! Ouais, j'ai vu. Ah, putain. Regarde, c'est dingue les fuseaux. Les K2. Ils sont incroyables les K2? Ouais. Ah ouais, ok. Mais elle a dit que l'activité était encore bien plus forte ici, quoi. Ah, c'est quoi ça? C'est des pattes de chien? C'est des vraies pattes de chat? C'est pas des pattes de chat. Non. Mais il y a encore les os et tout dessus au bout. Mais c'est des pattes de chat ou de lapin ce truc? Mais non, non. C'est quoi? Mais non, c'est pas un poussin. Il y a des pattes là. C'est quoi? C'est une patte d'enroule, mais. Ah. Mais c'est. Mais il n'y a pas de. Je sais pas ce que c'est. C'est un gris-gris de quelque chose, j'en sais rien, c'est vraiment fou. Ok. C'est quoi ce bruit? Mais quoi? Quel bruit? Mais le. Non, c'était moi qui regardais. Ah, ok. Ah, oui, dis. Vous venez? Non, non. Ok, là il y a encore une porte. Ça monte encore plus haut, hein. Le plus fort, faut qu'il vienne là-dessus. Elle a dit quoi? Le plus fort, c'est le plus haut. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est ça. Ouf, ça c'est quoi ça? Oh non. Ah, il y a des os et tout. Il y a un os. Le bon seigneur de Sombref put rentrer dans ses biens, mais depuis lors, à chaque anniversaire de la fête qui célébra le retour du chevalier, le seigneur Felon rôde au-dessus des tours, enveloppé par l'angoisse nocturne, entouré par le rire des étoiles. Hélas, nous n'avons vu personne qui rencontra jamais le fantôme, pas même le dindon qui aurait aperçu quelque chose. Mais par contre, on nous a raconté qu'on mit un jour une poule à couver dans une des tours et que celle-ci disparut avec ses œufs dans un trou que personne ne connaissait et dont la profondeur dépassant les 18 mètres se perdait dans une nuit qui n'a pas encore révélé ses secrets. Incroyable.
quoi? C'est le pigeonnier ici. Ah, oh, j'ai peur. Il y a un truc qui s'enclenche là en bas? Non. C'est quoi qu'on entend? Comment ça? J'entendais hein, comme un cadeau qui s'allumait. Merde, il me dit charger la batterie chez moi. Ils l'ont dit, c'est ici la tour où la batterie elle s'éteint. Attends. Non. Ok. Oh, c'est glauque. What? Ça c'est glauque. What? Oh wow. Oh wow. Oh, wow. C'est vraiment fou. Il y a plein de choses qui ont été gravées dans les murs ici. JDW 0 1900. Regarde là. JDW 0 1900. 28 du 6 36. Ouf. Et regarde là. Jean Char. Non, 1961. Non, ici c'est vraiment c'est beaucoup plus calme quoi. Tu ressens rien? Non. Les cadeaux n'ont pas bougé, hein. C'était vraiment tout de l'autre côté, quoi. Dans les escaliers. Ouais, mais. Ma caméra vient de s'éteindre. Ah ouais? Ah ouais, charge les batteries chez toi. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là. Tiens, je donne juste ça. On est remonté à 24 en plus. Bon, ben voilà, en tout cas, ici, dans la deuxième tour. Pas grand chose, ça va. Non. Toi, c'est lui, il est tranquille. Non, il se passe pas grand chose. Les cadeaux réagissent plus. Donc, malheureusement, on a deux caméras qui viennent complètement de planter. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on nous avait prévenu que dans cette tour, nos caméras allaient planter direct. Et c'est le cas. Moi, j'ai dû changer de batterie. Et puis, malheureusement, je n'avais pas une secondaire pour David. Et c'est la caméra de David qui nous a lâchés. Donc, on doit s'arrêter là. On vous fera un petit débrief dans la voiture au calme. Débrief. Ouais, à tout de suite. C'est ici que s'achève cette exploration. David, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était la première fois que tu faisais ça. Première et dernière, Gilles. Première et dernière, Gilles. Je veux plus jamais vivre ça. C'était bien mais horrible à la fois. Beaucoup de sensations, beaucoup trop de faits. C'est trop réel. On n'y croit pas, mais faut le vivre pour le croire. Et franchement, c'est la première fois que t'as eu comme ça vraiment une discussion. Oui. Avec une entité, ça n'est jamais arrivé avant. Comment est-ce que tu t'es senti quand les baguettes ont bougé, quand t'as pris le contrôle et que tu t'es dit, ok, putain, c'est pas de la couille, quoi. Ça fait peur parce qu'on se demande, est-ce qu'ils me touchent, est-ce qu'ils sont sur moi, est-ce qu'ils vont monter, moi c'est ma peur. C'est une sensation, je pourrais pas la décrire, mais je le souhaite à personne. Donc bonne chance. Et t'as eu ce truc de baguettes qui était retenu. Tu t'as dit à un moment donné, c'était quoi? Les baguettes sont retenues. C'est vraiment, je demande
bouger la baguette vers la gauche ou vers la droite et on sent qu'il y a quelque chose qui retient la baguette, qui me dit non, je ne vais pas répondre, mais je veux que tu saches que je suis là. Je suis là. Comme s'ils étaient deux, quoi. Comme, ouais. Oui, il y avait plusieurs entités. Il y avait plusieurs entités, j'en suis sûre. Ok. Il y avait des choses. Moi, j'ai eu à un moment donné un truc que j'ai jamais eu encore dans aucune exploration. C'était assez incroyable dans la sensation. J'ai vraiment été submergée par une énergie. D'ailleurs, les baguettes se sont écartées, je crois, super fort. Ouais, moi, j'avais les yeux fermés. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais ? Ça fait peur. Ouais, ouais. Moi, je t'ai vu, je me suis fait... Je me suis dit, c'est fini. Mais non. Elle est partie. Mais moi, non. Je t'observais, hein, parce que... Je sais pas, ah, jamais, donc physiquement, ça se voyait chez moi ? Ouais, ouais. Oh putain, ouais, j'ai trop hâte de voir. Moi, je te connais, peut-être. Ok. Mais là, j'ai vu que tu étais prise. Ah ouais, non, c'était hallucinant. Ouais. J'ai eu des frissons dans tout le corps, c'était fou. Et j'ai vraiment eu un... Tu vois, un truc de prise comme ça, et puis bam, les baguettes se sont écartées, je crois, c'est ça, hein? Oui, c'était... Ouais, je sais, ouais. Croisé, moi j'ai pas vu parce que j'avais les yeux fermés, mais c'était juste... C'était fou comme sensation, quoi. Mais par contre, c'était pas du tout négatif, ça m'a pas fait peur, c'était juste vraiment genre... Waouh, ok, oh, je le sens vraiment, tu sais, comme t'as une vague qui te prend comme ça, c'était juste mais fou. Mais on voyait que c'était pas négatif, c'est juste que sur toi, je me suis dit... Tu l'as vu. Ouais. Ah, c'est trop bizarre. Impressionnant quand même. Ah, j'ai hâte de voir les images. Ouais. Ça, je veux absolument voir les rushs demain matin. Je regarde les rushs direct pour voir ça. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à vous abonner au compte de David, son compte TikTok, son compte Instagram. Je vous mets tout ça dans la description et je vous mets son petit compte qui apparaît juste ici. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées d'invités. Et s'il vous plaît, allez... mettre en commentaire sur leurs réseaux sociaux qui doivent faire une exploration avec moi. Ça peut être très très cool. Bonne chance au prochain. Bonne chance au prochain. Je te souhaite bonne chance. Bon, en tout cas, merci David d'avoir fait ça avec nous. Merci Kelly, ma fidèle amie, toujours là, toujours au taquet pour venir avec moi aux explorations. Merci aussi à notre coéquipier Michael qui nous aide à trouver des lieux. Je vous mets d'ailleurs sa petite adresse de compte Instagram avec tous des lieux d'urbex assez cool qu'il a fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, ciao. Yeah. When they see her, they say no no no. When they scare her, they say boo boo boo. Boo boo boo. Boo boo boo. Boo 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 boo. You're a Hermione Granger. You're in my house, you're a fucking stranger. So take your cat, take your broom, and get the fuck out of my room. Just Silent Jill, she looking for ghosts. Silent Jill, she looking for ghosts. She's scared, ooh, ah, yeah. She's scared, ooh, eh. She's scared, ooh, ah. She's scared, ooh. Yeah, she's a bitch, she's a witch. When she's scared, she twitch. Yeah, looking for ghosts. Yeah, looking, looking, looking for the ghost. Yeah. Scared right now? She's scared!